Geoglossum, Cookéanum. Géogloss de Cook. Non comestible. Carpophore fusiforme, comprimé sur les deux tiers du haut, parfois difforme, ou en forme de clavule ou de langue, et plus ou moins comprimé. Jusqu'à 8 cm de haut, luisant et de couleur entièrement noire à reflets brunâtres. Pieds plus ou moins courts, souvent sur le dernier tiers du bas, dans le prolongement du carpophore. Robuste, noir brunâtre et plus pâle que le reste du champignon. Lisse, couvert de petits poils, mais très peu visibles. Contrairement à Trichoglossum hirsutum. Chair molle, un peu élastique et de couleur noirâtre. Odeur nulle ou faiblement fongique. Saveur légèrement âcre. Saison, du milieu de l'été et jusqu'à la fin de l'automne, selon le climat et la région. Habitat, principalement dans les mousses, comme vous le constatez sur cette vidéo, lieux herbeux, forêts de feuillus et de conifères. Confusion possible avec Trichoglossum hirsutum, aux pieds recouverts de poils bien visibles, ou d'autres champignons du même genre, comme Geoglossum phalax ou Geoglossum viride, entièrement verdâtre. Ce petit champignon est plutôt rare et passe souvent inaperçu, en raison de sa taille et de sa couleur, peu visible dans son biotope. Il pousse parfois isolé ou en petits groupes de quelques individus éparpillés çà et là. Donné comme non comestible, mais apparemment non toxique, sa rareté incitera par ailleurs l'amateur à le laisser sur place et le photographier vu son allure quelque peu particulière. Vous remarquez sur ces images que sa chair est bien brune noirâtre. La détermination de Geoglossum ou Trichoglossum nécessite l'utilisation du microscope. Les Geoglossum ou Trichoglossum sont assez faciles à reconnaître vu leur forme plate. Geoglossum cookéanum est le géogloss le plus courant, surtout vers les zones tempérées ou proches des zones côtières. Voici ses spores. Thank you.
Thank you.